Ça tourne. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour un petit tour de voiture. Et non, je ne vais pas dans les matériaux. Et non, je ne vais pas chez le Roi Pimpin ou chez quoi, Brico-Dépôt. C'est pour ça que j'ai le smile. Ah, ici, c'est Brico-Marché. Ici, c'est Brico-Marché ou chez Bernard ou chez je ne sais quoi. Je vais à Lidl faire un plein de courses. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Non, faut que j'arrête de déconner. Bon, allez, j'arrête de faire l'andouille. Ouais, je vais faire un plein, mais de chez plein, à Lidl, parce que ben, il me manque les produits de base, parce que je tire beaucoup sur mes légumes au congélateur et sur ma viande. Mais là, ça commence à y avoir plus que les plats cuisinés. Que j'aurais pu te faire un lapin à midi. Ah bah oui hein. Ben ce sera pour demain parce qu'il faut le décongeler. Oui. Ouais. Donc voilà voilà. Oh il y a un marcheur. Non c'est une marcheuse ça. Avec les jambes aussi. C'est des jambes ça. Ah c'est ouais? Les jambes d'homme ça. Hein? Ah ouais. Hein? Ah c'est un vieux. Enfin c'est un vieux. Faut pas que je dise ça. C'est un senior. Il est musclé hein. Ah ouais. Attends, je vais courir après. Je lui dis, attends, je marche avec toi. Qu'est-ce qu'il s'est perdu là, lui? Bon, ça, il va falloir que je coupe. Bon, donc voilà, ben, je vous retrouve tout à l'heure pour mon retour de course Giant. Je vais prendre pas mal de choses pour la popote. Et puis, ben, à partir de mardi, on est quatre, donc il faut quand même que je m'organise parce qu'on mange pas mal déjà à deux. Je trouve qu'on mange beaucoup. Hein. Que tu manges beaucoup? Oh ben non, mais attends, toi tu manges. Moi je mangerai que de la salade. Toi tu es obligé de manger de la viande et tout. Ben oui, c'est ta faute. T'aurais mieux fait de te taire. Après, je vais me faire discuter par mes abonnés. Bon, je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure pour mon retour de course. À tout à l'heure. Faut que j'enlève tout ce qui traîne derrière. J'ai plus de place nulle part. Oh là là. Bon, je vous retrouve pour mon gros retour de course Lidl. C'est un gros retour de course. Le total, je crois que c'est 130 et quelques. Mais bon, je vous le donnerai à la fin quand j'aurai le ticket de caisse. Il doit être par là. Trois boîtes de mouchoirs. On va commencer par... tout ce qui est papier et tout ci, tout ça. De l'essuie-tout. Du papier toilette. Donc ça, c'est pour le papier. Ensuite, des biscottes complètes. J'en avais plus et le matin j'aime bien la biscotte. Je vais faire la photo pour une fois. Une baguette, j'en ai déjà dégommé plus qu'un pignon. C'est pas bien. Ensuite, j'ai pris un pain tranché complet. Je vais le mettre au congélateur. Et un pain de campagne tranché aussi. Ça, je le mets au congélateur et quand je suis en panne, je suis bien contente d'en avoir. Ça m'a fait défaut quand même là, ces quelques jours. Et je voulais faire mon pain et finalement, j'ai fait de la pizza, j'ai pas fait de pain. Bon, bref. Et j'ai pris alors un pain de mie, je laisse quicher, je l'ai mis au fond du sac. Franchement, d'habitude je fais attention, mais j'espère qu'il va reprendre un peu de... Je vais lui faire un petit massage là, et on va le remettre au bas. Bon, un pain de mie, ça c'est pour les croque-monsieur, c'est un repas du soir qu'on aime bien, c'est vite fait. En général, on ne mange pas la salade. Alors, 6 œufs, grosse consommation d'œufs, 2 tubes de concentré de tomates bio. Ils font celui-là à Lidl.
Baresa. Et d'habitude, j'aime bien le mouti. Et je le prends quand je le trouve. C'est mon préféré. Mais celui-là, il n'est pas trop mal. Bon, voilà. Deux. Ça, j'en mets partout, moi. Très peu pour donner de la couleur, mais j'en mets partout. Du sel fin. Un kilo de café en grains. Du produit vaisselle. Du fromage blanc. Je ne sais pas si c'est marqué grec. Du fromage à la grecque. Du fromage blanc à la grecque. Yaourt à la grecque. Ah, c'est yogourt à la grecque. Comme ça. Franchement, il est bon. On aime bien. Eh ben, j'aurais pas dû reprendre des yaourts. Pour le coup, j'ai pris aussi les yaourts à la grecque. J'aime bien. Je fais mes petits pains avec. Des fois, le soir, ça dépanne. C'est vite fait. Hop. Ensuite, j'ai repris des pennes. D'ailleurs, je vais en faire ce midi. Comme ça, ça c'est un repas vite fait. Vite fait, bien fait. Deux fois trois boîtes de champignons de Paris. Il n'y en a pas toujours au Lidl. Et là, il y en avait. Donc, j'en ai pris deux fois trois boîtes. Ça me sert bien quand je veux faire une sauce avec échalotes, champignons. Il faudrait que je fasse des sauces en vidéo. Des olives vertes dénoyautées, c'est pour faire un cake aux olives. Hop, un sac en moins. 6 litres d'eau plate, enfin, des petites bouteilles, ça c'est au cas, comme on a du monde. Quand on a du monde, en général, je prends des petites bouteilles d'eau pour le soir, pour la nuit, si on a envie de boire un coup, on a une petite bouteille. Sinon, nous, on boit l'eau du robinet. Et ici, elle n'est pas calcaire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer par quel sac? Celui-là, il est fini. Je ramasserai après avec celui-là. Oh putain. C'est bon. Hein? Alors, 1 litre d'huile de tournesol pour faire les salades. Là, je commence à en utiliser pas mal. Des grosses pâtes fusilli comme ça, je les aime bien. J'adore les grosses pâtes, c'est bizarre. Des spaghettis, j'en avais plus. Je vais remplir ma boîte. J'ai pris des sacs, il y en a 15, avec le zip, 3 litres et 1 litre. Franchement, j'ai jamais trouvé mieux que ceux de Lidl, en tout cas ici. Les jaunes, c'est 1 litre et les rouges, c'est 3 litres. Je coupe mes légumes et je mets dedans dans les sacs congélation. Comme ça, quand j'ai besoin de faire n'importe quoi, un plat, je prends des petites poignées et voilà, je fais une soupe, une minestrone. Ce que je fais, de la farine. Type 55, je trouve pas de la type 45, c'est ballot, ouais. Du thon à l'huile d'olive, j'aime bien ces petites boîtes. Des fois, je m'en dégomme une toute seule avec une tomate. Un jus d'orange. Alors, les sacs poubelles, je crois que j'en ai pris, je vais les mettre ensemble. Je regroupe. De lait demi-écrémé et 1 litre de lait entier. J'ai pris des sacs poubelles, on était en rade, hein. 2 fois 100 litres, tiens, j'ai pas pris des 50 litres. Et 1 fois 120 litres, ça c'est pour les poubelles pour l'atelier. Qu'est-ce que j'ai ou pas dit encore? Je m'embrouille. Ouais. Je vais passer maintenant aux légumes. Des oignons doux, grosse consommation, on en passe pas mal. De l'ail, je vais faire ma pâte d'ail parce que bon, je trouve que c'est pratique, j'en ai marre d'éplucher de l'ail tout le temps. Une main de banane. J'ai pris deux aubergines.
des tomates grappes en attendant celles du jardin. Elles étaient jolies, franchement. Et puis, elles sont d'ici, donc voilà. Je pense que c'est des sous-serres. Parce que elles sentent bon. Oh là là, je suis passée devant. Trois poivrons, trois couleurs. J'en ai au congélateur. Mais bon, je me suis dit, je passais devant. J'étais en train de faire la razzia sur les légumes. Donc, parfois. De l'échalote. Un chou-fleur. Je vais faire un gratin de chou-fleur. J'avais envie. Trois courgettes. Ça, c'est avec l'aubergine. Soit je vais faire une ratatouille, ou je sais pas. Je vais voir quand j'y serai. Pour le moment, je dis une ratatouille, mais ça calme. J'ai pris 2 kg de carottes, Madine Portugal aussi, je crois qu'il y a 2 kg. Alors, la carotte, il y a une partie que je congèle en rondelles, et une partie que je congèle râpée, et une autre partie que je vais râper et que je vais garder dans une boîte en verre pour la semaine, pour faire mes crudités. Un sac, un filet de patates rouges. Ça, c'est pour faire mes salades de pommes de terre ou mes sautés. Et pour terminer, pour les sols, son à sol vert, c'est pour nettoyer les sols. Voilà. Je vais essayer de rien faire tomber. Bon, ensuite, je passe au frais. Donc là, j'avais rien, mais je crois. J'ai le détergent qui s'est renversé. Oh là là, faut que je lave les sacs. Quelle galère. Alors, je passe au frais. Pour le frais, j'ai pris des dés de jambon pour mettre dans les salades de pommes de terre ou ailleurs, je ne sais pas où. Ça, c'est pour faire des pâtes. J'ai envie de manger des pâtes. Et là, ça y est, ce midi, j'ai décidé, ça sera des pâtes. Je vais y mettre là pour la photo. Je ne sais pas comment je vais faire pour la photo. Deux petites pâtes feuilletées. Il me reste des petites conserves de l'année dernière de courgettes. Je vais tout simplement faire une quiche à la courgette avec une petite béchamel. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Et l'autre, qu'est-ce que je vais en faire de l'autre? Je ne sais pas encore. C'est des rondes, des rectangulaires, je n'ai même pas regardé. Oh. Ça doit être rond. Je vois même. Ah, c'est marqué là. Non, rectangulaire. Donc les deux, elles sont rectangulaires. Moi, j'aime bien. Deux plaquettes de beurre doux et une plaquette demi-sel. Je suis fatiguée, j'ai la tête qui tourne. Bien que je me plaigne. De la mascarpone, je vais faire un tiramisu à la fraise. Et puis je partagerai en deux en fait. Parce que comme j'ai des fraises au jardin, je vais faire un jus de fraise. Et puis, ou alors à la cerise, on m'a donné des cerises. Bon, bref, vous l'avez compris, ça sera moitié. Je ferai moitié café parce que Thiago, c'est un inconditionnel du tiramisu au café. Et l'autre moitié, je ferai soit à la cerise, soit à la fraise. Donc voilà. Je dois en faire des choses, hein. Non, mais ça va, ça va. Ah là là. Deux paquets de tranches de jambon. Ça, c'est pour faire mes croque-monsieur. Des lardons, on s'en sert hein, pour faire les quiches lorraines, pour faire même une simple salade verte avec des lardons et des croutons. On en utilise pas mal. Hein. Ensuite, j'ai pris des petits bifs de poulet
Je vais les couper en lamelles, je les trempe dans la farine et je les fais frire. Et avec une petite sauce, un petit truc, je ne sais pas encore. Mais j'aime bien, c'est vite fait le soir. Et avec un taboulé, par exemple. Mozzarella. Je passe au fromage. Râper 4 fromages, ça je l'adore. De la feta entière, je vais la couper en cubes et je vais la mettre dans de l'huile d'olive avec de l'ail et un petit peu d'oignon ou d'échalotes, des olives noires. Et quand je fais mes salades, ben, j'ai plus qu'à prendre. Et ça m'avance et j'aime bien faire ça. Du parmesan entier, je vais le passer à la machine et je vais le râper. Emmental entier aussi, ben, je vais le râper avec ma machine que j'ai ressortie, mais en général, j'en mets aussi avec la feta, je coupe des petits cubes et voilà, ça me fait pour mettre dans les salades. Ça, c'est pour faire une pizza, mozzarella et chèvre. Et puis pour terminer au niveau fromage, j'ai pris un camembert. Ben, je crois qu'on y est là. Voilà, c'est tout. C'est pas mal, hein? Je voulais prendre du surgelé, je voulais prendre des glaces, je voulais prendre un bac des Magnum, des glaces. Enfin, les glaces à Lidl, c'est une imitation, mais elles sont bonnes. Donc, c'est des styles Magnum. Et notre préféré, c'est avec les trucs d'amande. Il y en a un autre aussi que les gosses ils aiment bien, je sais plus. Je voulais prendre un bac de glace à la vanille, rhum raisin, je n'ai pas trouvé. Donc voilà. Et quoi d'autre aussi que je voulais prendre, je sais plus. Et des petits acras de morue et des trucs de viande. Parce que ça, j'aurais pas le temps d'en faire. Donc la recette, ce ne sera pas pour tout de suite. Et j'aurais pas le temps d'en faire. Donc ça, j'ai pas acheté. Il me manque le surgelé pour avoir une petite glace. Bon, ça, on ira en ville la manger, c'est pas grave. Et je vais acheter du poisson, de la morue. J'en ai pas acheté, donc voilà. Franchement, ouais, j'ai le temps. J'ai commencé à préparer mes menus pour ben, quand je vais avoir du monde. Parce que bon, on va être 4 et... ça va vite quoi. Alors le total il est de 133,33 quand même hein. Et j'ai commencé à mettre comme ça ce matin sur une enveloppe mes repas les repas que je vais faire puisqu'on va être 4 midi et soir. Et là j'ai mis mes repas de midi d'un côté. Donc j'en ai mis 14 et de l'autre côté j'ai mis les repas du soir. En sachant que c'est le repas du soir, il peut aussi bien faire le repas du midi quoi. Je vous les donne comme ça en vrac. Pour les desserts, ça sera salade de fruits, mousse au chocolat, crème caramel, tiramisu, parce que c'est les desserts que je maîtrise très très bien. Et puis mon frère, bon, bien qu'il soit retraité depuis longtemps, c'est un ancien pâtissier, donc je vais pas... c'est lui qui va me faire les desserts et les pizzas, hein, c'est pas moi. Hein. Bon bref, donc je fais vraiment les desserts que je maîtrise bien. Moi, mon dessert préféré, c'est l'île flottante. Mais... bon, je continue, j'ai été interrompue par Thiago. Alors, j'ai commencé un petit peu à élaborer mes menus. C'est pas dit que je les suive à la lettre, franchement. Hein. En général, bon, on fait en fonction voilà, de nos envies. Et voilà. Si ça se trouve, un repas, un plat à la sauce tomate, ça peut se finir avec une sauce blanche. Bon, bref, vous avez compris. Je ne suis pas toujours les choses à la lettre, mais j'aime bien faire ça parce que les menus de la semaine, ça me guide. Ça me permet de me dire, j'ai de quoi faire ça, et puis si j'utilise le porc pour faire autre chose, je rachète rien. Donc globalement, j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Par exemple, là, j'ai acheté carottes 2 kg, je sais que je vais en congeler une grosse partie,
on va dire que je vais congeler 1,5 kg, et il y a 500 grammes que je vais râper pour faire les crudités de la semaine. Quand j'ai besoin de faire un plat, si je veux faire des carottes Vichy, j'ai mes carottes en rondelles, j'ai rien besoin de préparer. J'aime bien fonctionner comme ça et je reste pas en cuisine de longue en train de préparer. Bref, d'ailleurs ça me fait penser qu'avec la pâte feuilletée, je vais peut-être faire des roulés à la saucisse, puisque j'ai encore un bocal de saucisse. Comme ça, c'est pareil, je le congèle et j'ai au congélateur. Au moment de les sortir, il m'en reste encore, mais au moment si on veut faire un apéritif, pof, je les sors, je badigeonne d'un peu de jaune d'œuf, avec un petit peu de lait ou pas, et hop, j'enfourne à 180 degrés, et comme ça, je passe pas de temps en cuisine. Bon, bref, j'ai prévu un porc laqué avec du riz, il y a la recette sur ma chaîne, des panés, alors les panés, je les achèterai chez le boucher. Ça sera soit des panés de poulet ou des panés de porc avec des frites, une salade verte et du citron. Thiago adore ça, moi aussi. Un bœuf sauce piquante avec des pâtes chinoises, des nouilles chinoises. Il faut que je trouve, faut que j'aille à Intermarché parce que les pâtes chinoises, je ne les trouve pas Lidl. Des légumes farcis. En général, je fais souvent tomates et courgettes, poivrons. Tomates, courgettes et poivrons, c'est ce qui marche le mieux. L'aubergine, je trouve que c'est dommage, je la préfère cuisiner autrement. Mais bon, je peux, je sais pas, je verrai. Sauté de porc aux coques et aux pommes de terre, c'est une recette portugaise. C'est pour la faire aussi découvrir la cuisine portugaise. Donc le sauté de bœuf sauce piquante, ça peut être un sauté de porc sauce piquante. Ou le porc laqué, par exemple, je peux le modifier. Parce que ça, c'est une recette aussi portugaise, donc à voir. Paupiettes de porc sauce champignon. J'ai fait des paupiettes de porc il y a déjà bien 2 semaines ou 3 semaines. Je les ai congelées, justement, j'ai anticipé. J'ai fait des paupiettes de porc et des alouettes sans tête. Comme ça, j'ai deux recettes différentes. Les paupiettes de porc, en général, je les fais sauter au vin blanc avec des champignons, un peu de crème. Et puis un peu de moutarde, on peut mettre aussi. Et puis les alouettes sans tête, c'est plutôt une sauce tomate. Donc j'ai prévu de la morue au four, des lasagnes saumon épinard, une moussaka, des alouettes sans tête, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un poulet basquez, un poulet rôti, il y aura pas mal de poulet, hein. Le poulet c'est pas cher. Et puis je vais alterner, hein. De la paella c'est vite fait. En général, ça nous fait 2 repas, de midi ou midi et soir, on ne sait pas, on verra. Et j'ai prévu aussi un couscous. Donc voilà, mais bon, le couscous, ça va être compliqué parce que je ne sais pas si je vais tout trouver ici. Mais bon, voilà, ça sera un couscous à ma manière à moi. Pour les repas du soir, ça peut être aussi un repas de midi parce qu'il fait très chaud. Beignet de morue avec salade composée. Soupe caldo verde, c'est parce que c'est une soupe d'ici avec les choux et le chorizo. Donc voilà. Feuilleté saumon avec une salade verte. Croque-monsieur crudité. Une plancha. Alors la plancha, c'est bien parce que je mets un émincé de poulet, un émincé de bœuf, des crevettes, des choses comme ça. Et puis des fines lamelles de légumes. Donc en général, je mets de la courgette et de la pomme de terre en fines lamelles. On peut pasta. Gorgonzola, c'est une recette qui est sur ma chaîne. J'adore faire les pâtes comme ça. C'est juste délicieux. Un gratin de poisson, ça c'est une recette aussi portugaise. Je crois que je l'ai mis sur ma chaîne derrière en retour de course. C'est une couche d'oignon, une couche de poisson, une couche de pommes de terre et des œufs durs coupés en rondelles. Et puis voilà. En général, on met de la morue. Moi, je mets du cabillaud, bon, c'est pareil, mais bon, voilà. Quiche Lorraine salade, croque-monsieur, je l'ai dit. Taboulé poulet, ça marche toujours. Potage vermicelle, voilà. Salade de pois chiche avec du poisson. Filet mignon en croûte,
ça, on va faire quelques olives avec des crudités, hachis parmentier, frites et œufs au plat, et nem salade ou samoussa salade le soir, on peut faire un petit plateau comme ça. Donc c'est des idées comme ça que j'ai posées ce matin avant d'aller faire les courses en 2-2. Je vais revoir certaines choses. Peut-être que je vous mettrai au final ce qui était prévu et la réalité, je ne sais pas si j'ai le temps ou pas. Bon, en tout cas, ça s'annonce pas trop mal. Je fais ça parce que ça me permet de ne pas m'égarer dans mes courses. J'ai une piste. Après, voilà, pour la plancha, je vais faire mes courses chez le boucher. Et je sais que je peux congeler sa viande. Quand elle est décongelée, elle est aussi bonne. Donc, voilà. Là, c'était mon retour de course Lidl. Je ne vais pas acheter la viande tout de suite. Je vais voir si je peux vous mettre les prix ou pas. Je me suis arrêtée après. Je voulais, quand je suis sortie il y a 2 jours maintenant, du coiffeur, je me suis arrêtée pensant trouver des tongs. Je n'ai pas acheté de tongs. Voilà. J'ai acheté un vernis comme ça, incolore. Et un vernis comme ceci. Le vernis, il était à 1,50€. C'est du gel. Ils mettent que c'est du gel dessus. Je vais voir ce que ça vaut ou pas. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça, c'est du nylon pour faire les bracelets, les petits colliers pour les enfants. Donc, j'ai pris un nylon noir. Un violet, je sais qu'Elina, elle aime beaucoup, et Lola, ils aiment beaucoup le violet. Alors, il n'y en a pas beaucoup, on ne peut pas faire beaucoup de colliers, mais bon, 75 centimes. Celui-là, 1,10€, le noir, je ne sais pas pourquoi. Le blanc, il était à 75 centimes. Et j'ai pris du truc élastique. Ça, c'est un fil élastique, comme ça, ils pourront faire leur petit collier de perles. 1,25€. Et avec les vernis, j'en ai eu pour 6,85€. Je ne me suis pas ruinée. Je vais voir si c'est du gel. Ça m'étonne que ce soit du gel. Ça sent le vernis à plein. Et ce n'est pas du gel. C'est pas possible. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, voilà. J'essaierai de vous mettre les prix sur cette vidéo, je vais essayer de vous mettre les prix. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais... Bon, bref, je vais essayer. Et derrière, je vous mettrai des petites images au jardin. Ce matin, j'ai tendu l'herbe. Franchement, ça pousse vite. Oh là là, j'ai l'impression que je ne fais que ça. Tous les 4-5 jours, il pleut, il fait du vent, il fait soleil. Il pleut, il fait du vent, il fait soleil. Ce matin, on a eu un pipi d'oiseau. Là, il fait du vent, et maintenant, il fait soleil, mais il fait du vent. Donc, j'arrose quand même, hein, parce que sinon, tout meurt. J'ai vu que mes plantations, elles souffrent de la chaleur et du soleil. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des tomates. Par contre, les courgettes, je pense que d'ici la semaine prochaine, je mange des courgettes. C'est un truc de dingue. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis, voilà, je vous laisse. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je vais ranger mes courses, faire la photo et tout un truc. Allez, à plus tard. C'est parti. Oh là là. Ça. Ça va aller là-bas. Faut que je fasse à manger. Je suis plus motivée, non. Ça, je trouve que ça va arriver. Ça va aller là-bas. C'est tard, si je comptabilisais tous mes pas, là mon téléphone ne compte pas, ma montre je l'ai mis en charge. Je vais faire comment ma photo. Je vais la faire une partie là. Bon, ça c'est pour la photo, ça va de l'autre côté.
vais tout sortir des sacs. Pour faire la photo, je sors tous les sacs. C'est froid dehors. Il fait froid, si j'exagère, il ne fait pas froid. On va dire qu'il fait frais, mais hier, je crois que hier on avait au moins 30. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'il fait froid, c'est les différences de température d'un jour sur l'autre. C'est ça en fait. Bon, je vais repartir parler. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors, peut-être que je vais vous le montrer là. Est-ce que là, il y a la courgette qui arrive? Non. Je ramasse. Celle-là, elle est fermée. Ah ben, celle-là, on voit mieux. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que là, on voit bien que la courgette, elle est arrivée, là. On la voit, là. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la fleur, je la lave et je la congèle. Comme ça, avec la fleur, je fais des beignets de courgettes, ce qui fait que non seulement je récupère la fleur et j'abîme pas la courgette qui va arriver. Donc voilà ce que je fais des fleurs de courgettes. Je vais au jardin. C'est une catastrophe. J'étais en train de télécharger mes images. Il est tombé de l'eau. Et puis surtout, je vais voir si mes tomates, elles n'ont pas trop morflé. Bon, ça va. J'en ai marre de ce temps. Regardez le jardin. Je voulais faire le tour tout à l'heure et puis voilà. Les haricots, ils sont pas terribles. Hein. Ça me plaît pas. Je pense qu'il fait trop chaud, le temps il est trop bizarre. Par contre, les courgettes, elles arrivent bien. Hein. On voit, il y a déjà de la petite courgette. Hein. Bon, les tomates, il faut que je les attache. Demain, je m'occupe des tomates. Et j'ai toujours rien mis là. Mais en même temps, il fait pas beau. Hein. Là, j'ai tondu ce matin. Ce matin, j'ai fait devant. Et puis, j'ai tondu là. Sur le côté, je sais pas si on va voir la démarcation là où je me suis arrêtée, parce que je tonds souvent de manière à pas y passer 3 heures quoi. Et puis on s'est pas baigné encore, je me suis pas baignée. Ben voilà quoi, il fait pas chaud quoi. Franchement, il fait pas chaud. Bon. Je vous montrerai peut-être l'installation de la future cuisine. Mais bon, pas tout de suite, il faut en garder pour demain. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la cuisine qui a été installée. Et franchement, je la trouve pas mal. Le truc qu'on a fait, c'est qu'on a choisi la cuisine, les meubles de cuisine, avant de choisir le carrelage. Ça va qu'on est resté dans des tons gris, marron, voilà. Ça va. Mais on s'est dit, voilà quoi, c'était limite. Mais la cuisine, elle est jolie. Vous allez voir, je vous montrerai demain parce que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Mais bon, je n'ai pas arrêté. Donc on voit bien là derrière hein, que l'herbe, elle a été recoupée. Et puis hier, en fin d'après-midi, presque hier soir, vers 20h, 21h, j'ai dit à Thiago, il faut que je finisse de couper l'herbe devant, parce que franchement, j'ai commencé. Et regardez là comme c'est beau, c'est coupé. Et puis là aussi, derrière, tout est coupé. Bon, après, c'est toujours le chantier là. Hein, mais voilà, tout est coupé là. Franchement, ça me fait tellement plaisir que ce soit fait. Parce que là, c'était encore haut. Hein. Hier, c'était encore l'herbe, elle était haute. Quoi. J'ai l'impression de faire que ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie, on va dire,
y a un côté, waouh, c'est beau, on a envie d'être là, c'est magnifique et tout. Et puis, il y a un côté où, pétard, c'est du travail, j'en ai marre, je me plains tout le temps, voilà quoi. Donc là, ça y est, ça va. Mais mes tomates, elles n'ont pas souffert. Mais alors, franchement, il fait un temps très bizarre. Il pleut, il fait du vent, il fait soleil. Voilà, là, le vent, il est tombé, il pleut plus. Tout à l'heure, on a eu comme de la petite grêle, quoi. C'est pour ça que je sors, je me suis dit, ça y est, mes tomates, c'est mort, quoi. Mais non, ça va, ça a l'air d'aller. Bon, bref, c'est un temps très, très, très bizarre. Il fait pas froid, parce que je sors comme ça, j'ai pas froid. Mais voilà, là, je dirais que exceptionnellement, on n'a plus de vent. C'est presque l'heure d'aller au lit, on n'a plus de vent. Enfin, non, j'exagère. C'est 18h, c'est même pas. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis... Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!